Montélimar, Fox Tango Nova, bonjour. Fox Golf Bravo Tango Nova Cessna, 172 de personnes à bord. Voilà destination d'Avignon. On est actuellement au parking à l'herbe. On va rouler pour le point d'arrêt de la piste 10. La piste 20, pardon. Pour la bonne carte, hein. Piste V. L'enfer, on va pas s'emmerder avec les colons noirs. Il n'y a pas de vent, il n'y a personne, on a cherché. Allez, alors, est-ce qu'elle tourne ou pas? Elle tourne et elle tourne. Ouais. Un coup des caméras. Sur les freins, on a un peu de flingue.
fait la roue bonnet. Oui, mais il est temps de prendre la vitesse, là, regarde. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pareil. Alors, en fait, on fait un petit palier pour reprendre de la vitesse, sinon on passe en régime. On passe en second régime. Hein. Donc, on fait un petit palier, donc on l'empêche de décoller. Ouais. Et une fois qu'on a la vitesse, après c'est tout. Ouais. Et nous voilà. Parti pour une nouvelle aventure. On évite un petit peu sur le de la ville. Montélimar de Fox en novembre, on est remonté initial piste 20, on quitte le circuit par le sud. Bonne journée. On est au novembre, passe sur 22 km. Montélimar, auto Gilles Fox, Juliette Victor, Victor Papa au parking. Actuellement 1700 pieds en montée 2000. On effectue dans un premier temps une directe sur Valréas visant Lima Fox, novembre Victor. C'est bien pris, tant que novembre, on reste en fréquence avec vous.
c'est noté. Il n'y a rien à vous signaler sur la route. Ça crée pas le matin, ça me déconne d'une autre,
l'ouest du Mouvantour, retour sur Aix. Oh, dis donc, t'as vu, je me suis refait passer à 150, hein. Pas même pas. Oui, votre transpondeur, votre altitude, s'il vous plaît. Le terrain, il est quasiment invisible au vu du ciel, hein. Et le pistolet en bas, il ressemble à un champ. C'est très difficile à localiser le... Shuttle Mike Alpha Golf Marseille. Oui, Alpha Golf, je vous demande votre, ah, est, votre, votre altitude. You can now contact the NIS information on 124425. Goodbye, sir. Please, sir, 172, deux personnes à bord en provenance de Montélimar à destination d'Avignon, vient d'être libéré par Marseille Information. On arrive à travers zone de orange. On va faire un passage au sud du Mont Ventoux et puis on fera peut-être une boucle sur le secteur Sisto en Vidon avant de revenir à Avignon. Tout ça en vol VFR et on transporte de 7000. On rappellera 4 retours vers Avignon, attends, on le reprend. Allez, on va être un petit bâche par l'arrière. Comme ça, c'est gueule, là, finalement, là. Ouais. Ça, vas-y, c'est des Alpha Jet.
Tour de France, en servant d'entraînement, c'est ici. Ok. Donc on ouvre tous les matins ici pour aller, demander l'autorisation, on n'a pas le droit. Ok, vous voulez vous dire que c'est notre nom, c'est pas possible. On va se faire un peu de Ah, c'est tout là, pas la finale. On est dans les contreforts du Ventoux.
premier contact. Avec son fameux pas de soucis, le QNH est de 1016, 54-01 au répondeur. Alors, on a demandé les efforts là. Voilà, on va surveiller la température des cylindres. Ouais. Pour prendre la bonne pente. Ah. Alors, si ça pire, c'est pas mal hein, devant là. Température de 30 degrés à 3000 pieds. Pas mal. Je pense que le variant on va le tenir à la pomme. Pourtant, on est bien ventilé là, ça fait pas de mal. Ouais. Là, vous ramenez haut, tu vois. Donc ça, c'est significatif, ce sont d'éventuelles zones orageuses. Là, ça bourgeonne comme ça. Oui. On va essayer d'éviter un petit peu, parce que tu vas voir que quand on va passer dessous, on va se faire gentiment arrêter. Parce que si tu veux, la hauteur par rapport au Ventoux, je pense que les nuages doivent être à 8000 pieds. Le Ventoux est à 6000 pieds, au sud de l'ombre. Oui. Ok, d'accord. Donc là, on aurait du beau comme le champ, j'espère, c'est du. Ah ouais, là, il porte bien son nom à gauche, là. Vent du sud, de grosse chaleur. On a tous les éléments là pour avoir des orages en fin de journée. Bon, il n'y a pas de orage à venir, ce soir, il n'y en a pas. Par contre, là, sur les reliefs, c'est pas évident que ça ne passe pas ce soir. Hein. De toute façon, tous les montagnes pour le disent, en dessous, on ne répond pas en montagne. Office. En dessous, de très très violent. Avec Marseille 125, au revoir. Avec Marseille 125, merci monsieur, au revoir. Bon, on est passé au-dessus de la zone, c'est pour ça. Marseille Fox Tango Novembre, au bonjour. Tango Novembre, Marseille Fox, au bonjour. Oui, toujours Tango Novembre 1672, deux personnes à bord. On vient d'être libéré par Provence, on passe 4000 pieds, on monte 7000. Pour faire une traverse Ventoux, puis on va revenir à Avignon par le chemin des Écoliers. Sisteron, Vinon et la vallée d'Apte. On maintiendra 4500-5000 pieds durant le transit. On reste à l'écoute, au temps Laurent. Merci monsieur. Merci, voilà, on est sur le extra-dastorme en radio. Vous pouvez contacter le verso sur la fréquence approchant 121.0. Si vous désirez, vous pouvez quitter la fréquence. On a perdu 10 degrés là. Sur une zone qui s'appelle le plateau d'Albion. Oui, oui, oui. Voilà, le plateau d'Albion qui était le centre de
nucléaire en français pendant la guerre froide, où il y a une multitude de silos à faire écho en principe démantelés. Donc aujourd'hui on peut survoler cette zone-là, ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années. Voilà, mais ça c'est l'un des anciens producteurs du terrain. D'accord, il y en a partout.
faux, voilà, il y a un silo là en bas, tu vois, il y en a un autre faux là-bas en fin de montagne aussi. Alors les gens me disent que quand ils ont démantelé le site, ils ont coupé du béton pour tirer dans le béton.
plusieurs fois qu'il essaye d'appeler. Il va arriver sur 6 points. Il va arriver chez monsieur, à vous. Parfait, si vous voulez, je vous rappelle dans 5 minutes. Allez-y, monsieur. Deux personnes à bord. Au départ de Tarare, à destination d'Aix-en-Provence, avec Séville. On vient d'être libéré par Lyon. On a 4000 pieds, 7000 au transpondeur. Monsieur, monsieur, ok, la radio fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc, gardez l'écoute de la fréquence, les ondes d'orange sont libres, pas de trafic connu, et je vous rappelle. Salut, merci. Fox Juliette X-ray Delta Mike, Marseille. Je vous écoute, monsieur Fox Delta Mike. Ouais, faites attention, il y a toujours des parents descendants hein, sur Puricard. Ben là, c'est une route directe sur. Matatambo. Ouais, ça risque d'être peut-être gênant pour les paras. Si vous pouvez ouvrir pour une trajectoire qui passe plus à l'est. Allez, je vais ouvrir et passer plus à l'ouest carrément, mais je vais pas rentrer par la fin novembre. Ok, à votre convenance. Ça commence déjà à commencer à nous.